fermer la porte. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 19h30, ce jeudi 27 avril 2023. Je vous souhaite la bienvenue pour notre 14e séance ordinaire de cette législature. Je remercie les conseillères et conseillers ainsi que les membres de la municipalité pour leur présence et salue le public, notamment le membre du conseil de délégués de classe de l'établissement primaire de Gland, qui sont sur le balcon, et les représentants de la presse. Je remercie également M. Daniel Bussy, ici, et M. Arthur Bigler, ici, suppléant, pour leur présence, et le personnel communal des services de conciergerie pour la mise en place de notre salle communale. Merci également à l'équipe régissante et à NRTV qui assure la retransmission en direct de la présente séance. En guise de réflexion, vous voyez affiché sur l'écran le texte de la première partie de l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et approuvée par l'Assemblée fédérale suisse le 13 décembre 1996, cette convention a été la convention onusienne la plus vite entrée en force et celle qui a été ratifiée et rendue applicable au niveau national par le plus grand nombre des États membres de l'ONU. La photographie montre une récente séance du Kinderparlament der Stadt Luzern, une institution établie de la vie politique de la ville de Lucerne, qui va fêter c'est 34 ans en novembre prochain. Donc je cite l'article 12. Les États parties garantissent à l'enfant, et pour l'ONU, un enfant entre 0 et 18 ans, qui est capable de discernement, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Je nous souhaite une bonne séance. Nous passons au point 1 de notre ordre du jour. Appel et ordre du jour. Pour l'appel, je passe la parole à notre secrétaire, Madame Karine Teixeira Ferreira. Vous avez la parole. Alström Martin. Amaudru Cédric. Présent. Anne Katia. Présent. Berterin Sébastien. Présent. Bill Fabienne. Présent. Bingley Steve. Beauvais Regina, présent. Bringolf Pierre-Alain, Buffa Aymara, Cayano José, présent. Calabrese Daniel, présent. Cholet Pascal, excusé, De Haddon Moritz, excusé, De Proboscarda Magali, présent. De Sibenthal Yann, présent. D'Angel Charanjit arrivera plus tard, Di Felice Maurizio, présent. Duarte Jean-Paul, présent. Duela Nikhil, excusé, Durand Arnaud, Eger Jean, Esreb Yulia, présent. Félix Caroline, présent. Feller Didier, présent. Frachebourg Jérôme, excusé, Freuler Annick, présent. Freuler Samuel, excusé, Froidevaux Yves, présent. Galvez Angelita, présent. Genoux Jean-Philippe, excusé, Girardet Michel, présent. Gorgoni Yulika, Grandjean Dimitri, présent. Grandjean Raphaël arrivera plus tard, Gremion Yvan, Guibert Jean-Marc, excusé, Aislaine Timothée, Emberger Roger, Reutener Adriane, excusé, Jacquier Jean-Marc, Joie Aurélien, excusé, Joie Pierre, Kesslan Bernard, Colère Karine, Kounse Isabelle, Lamarck Nathalie, excusé, Larrivée Stéphanie, Locke Evan, Moji Razoul, présent. Maillère David, excusé. Maillère Patrick, présent. Merce Simo, présent.
Mesmer Patrick, excusez. Million Courvoisier, Sabine. Morel Marc. Moret Philippe. Présent. Motel Arrivé, Stella, excusez. Nicolet Jean-Luc. Présent. Pellet Nicolas. Présent. Pernet Alain. Présent. Pernet Dominique. Présent. Richard Daniel. Présent. Rison Pascal. Rosset Stéphane. Schilbock Rupert. Présent. Sicuranza Catherine. Sicuranza Dario, excusez. Soliminet Tommaso. Sordet Michael. Storti Patricia. Uxini Cefa Albulene. Vilaine Véronique. Villois Noémie. Présent. Weber Anita. Vallen Léonie. Merci, Madame la Secrétaire, et merci aux scrutateurs qui ont œuvré contre la présence, qu'elle fait constater la présence de 56 conseillères et conseillers, 14 excusés, 3 absents et 2 annoncés arrivant un petit peu plus tard. Conformément au règlement, je constate que le quorum est atteint et que le Conseil communal de la ville d'Aiglon peut valablement délibérer ce soir. Bon, on a déjà le premier supplémentaire, donc c'est 57 présents. Je déclare donc la présente séance du Conseil communal ouverte. Avant de continuer, je dois m'assurer que vous avez été régulièrement convoqués pour la séance de ce soir et que chacune et chacun d'entre vous a bien reçu cette convocation dans les délais, ainsi que tous les documents y relatifs. Ce semble bien être le cas, je vous remercie. Concernant l'ordre du jour de cette séance, j'ai les remarques suivantes. Par courrier du 6 avril 2023, la municipalité a informé le bureau du report de la présentation en première lecture du préavis municipal 39-2023 relatif à l'adoption d'un règlement sur les services de taxi. L'ordre du jour a dès lors été modifié en conséquence. Une erreur s'est glissée dans l'ordre du jour publié le 18 avril 2023, dans la mesure où le nom de membres de commissions techniques chargées d'étudier les préavis municipaux 36 et 37 2023 n'y sont pas mentionnés, alors qu'ils et elles avaient été nommés lors de la séance du 30 mars 2023. Au nom de notre secrétaire, je vous prie de bien vouloir nous excuser. Dans les délais, le bureau a reçu un projet de proposition individuelle dont le texte vous a été transmis par courriel ces derniers jours. Le postulat interparti du conseiller Pascal Riesen et collègues intitulé « Pour un parc d'embattement pour chiens à gland ». Conformément à notre règlement, je demande au postulant s'il souhaite développer ce postulat ce soir. Merci. Votre postulat sera dès lors ajouté à l'ordre du jour de la présente séance sous point 11 et son texte joint au procès-verbal. L'ordre du jour ainsi modifié pour notre séance de ce soir est donc le suivant. Les points 1 à 10 restent inchangés. Un nouveau point 11 est ajouté intitulé 11 postulats du conseiller Pascal Riesen et collègues pour un parc d'embattement pour chiens à gland. Les anciens points 11 et 14 deviennent aussi les points 12 à 15 et enfin l'ancien point 15 devient le point 16. J'ouvre maintenant la discussion sur cet ordre du jour ainsi modifié.
La parole est à qui veut le prendre. La parole ne semble pas être demandée. La discussion est close. Je vous invite à approuver l'ordre du jour tel que modifié en levant votre carton de vote orange. Bon, on va faire le contre-test. Des avis contraires? Zéro. Des abstentions? Zéro également. Je vous remercie et constate pour le procès-verbal la décision suivante. L'ordre du jour de la présente séance est accepté tel que modifié à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Et avec l'arrivée du conseiller Arnaud Durand, nous passons à 58 membres du conseil présents. Nous passons au point 2 de notre ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2023. J'ouvre de la discussion sur ce procès-verbal. La parole est à qui veut bien la prendre. La discussion n'est pas demandée, elle est donc close. Je prie les conseillères et conseillers qui acceptent le procès-verbal tel que rédigé de bien vouloir le manifester en levant leur carton de vote. Donc en faveur, beaucoup. Des avis contraires? Contraire, M. Froidevoix? Non? D'accord. Zéro. Abstention? Zéro également. Pour le procès-verbal, je note donc la décision suivante. À l'unanimité des membres présents, le Conseil communal accepte le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 30 mars 2023 tel que présenté. Au nom du Conseil, je remercie notre secrétaire, Mme Karine Teixeira Ferreira, pour l'excellente rédaction de ce procès-verbal. Nous passons désormais au point 3 de notre ordre du jour, communication du bureau. Le 5 avril 2023, j'ai assisté, comme plusieurs d'entre vous, à l'inauguration officielle des abords sud de la gare de notre ville. Je me réjouis déjà que les habitantes et habitants, ainsi que les pendulaires venant à Gland pour y travailler, se former ou se divertir, s'approprie le nouveau aménagement et donne vie à cette zone de rencontre. Également, comme beaucoup d'entre vous, j'ai pu découvrir le 22 avril 2023 le parcours d'une jeune chef partant après son apprentissage de cuisinière à Vienne à la découverte des cuisines étoilées à travers l'Europe lors de la projection du documentaire long-métrage « She Chef » à l'occasion de la cérémonie d'ouverture à Gland du Festival de films Vision Réelle, édition 2023. Le lendemain, le 23 avril 2023, j'ai observé et encouragé en tant que membre du public intéressé les milliers de sportifs qui ont participé aux différentes épreuves de l'édition 2023 du Gland Spring Run. Je sais que plusieurs parmi vous ont participé à cette course du printemps, et je vous félicite pour vos succès, de même que je félicite les membres des différents services de l'administration de notre ville qui ont assuré l'organisation et bon déroulement de cet événement. Avant de terminer mes communications, je vous rappelle que le dimanche 18 juin 2023, la population ayant le droit de vote est appelée à se prononcer sur 3 objets fédéraux un objet cantonal. Les 3 objets fédéraux sont les suivants. Arrêté fédéral du 16 décembre 2022 sur une imposition particulière des grands groupes d'entreprises, dite mise en œuvre du projet conjoint de l'OCDE et du G20 sur l'imposition des grands groupes d'entreprises.
Le deuxième, la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, dite contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers. Et le troisième objet fédéral, modification du 16 décembre 2022 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19, loi COVID-19. L'objet cantonal soumis à votation est le suivant. Initiative population cantonale pour la protection du climat. Si vous avez le droit de le faire, je vous invite à ne pas oublier de voter et faire voter autour de vous. J'ai ainsi terminé avec les communications du bureau. Nous passons au point 4 de notre ordre du jour, communication de la municipalité. Je passe la parole à notre syndic, Mme Christine Giraud-Baumgartner, chargée de l'administration générale, des ressources humaines, des relations publiques et du développement durable. Vous avez la parole, madame. Mesdames, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers, chers publics, chers enfants, bienvenue. Voici quelques communications pour mon dicaster. Alors tout d'abord, c'est avec un très grand plaisir que je peux vous informer que la municipalité de Gland a trouvé son nouveau secrétaire municipal pour la ville de Gland. Le 14 août prochain, nous accueillerons M. Philippe Beauvais comme nouveau secrétaire municipal. La municipalité se félicite de cet engagement qui consolidera les fondations de notre administration qui est en très bonne santé. Nous ouvrons donc nos portes à M. Philippe Beauvais, qui occupera désormais le fauteuil de la direction opérationnelle au second semestre. Après plusieurs années à la tête de la Fondation Hirondelle, organisation suisse active dans l'humanitaire, M. Beauvais a été choisi par votre municipalité à cette fonction pour ses qualités fondamentalement rassembleuses et humaines, en phase avec la direction qui est voulue par les élus. L'élan de créativité, d'innovation et de transversalité dont a bénéficié la ville de Gland ces dernières années sera ainsi renforcé dans cette nouvelle étape grâce à un travail de fond et de consolidation des acquis. Ainsi, l'engagement de M. Philippe Beauvais s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de continuité des lignes directrices implémentées. La municipalité se réjouit de cette nouvelle collaboration et souhaite d'ores et déjà plein succès à M. Philippe Beauvais dans sa mission. Pour l'administration, la vie des collaboratrices et collaborateurs au sein de notre administration évolue toujours aussi régulièrement. Et j'ai également le plaisir de vous informer de deux arrivées. Tout d'abord, Madame Laura Deblu, collaboratrice administrative pour le SPOP, qui a été engagée dès le 1er mai. Monsieur Laurent Ravet a également rejoint notre administration. Il arrivera le 17 mai pour concierge des Tuilières, et c'est donc au service des bâtiments et urbanisme. Et a relevé le départ au 30 mai de monsieur Julien Carra, technicien en génie civil, qui travaillait pour le service des infrastructures et de l'environnement. Je remercie M. Carra pour son travail au sein de notre administration et pour son apport dans le service du CIE. Et je souhaite la bienvenue aux deux nouveaux collaborateurs. Autre communication concernant Smart City. Je vous en avais déjà parlé. Une soirée citoyenne Smart City est organisée pour vous, les conseillers communaux, mais aussi pour vous qui nous regardez depuis votre domicile, habitants et habitantes de Gland. Cette soirée aura lieu le 1er juin à Grandchamp à 18h30 au Théâtre de Grandchamp. Au programme de cette soirée, le thème de l'inclusion, la mobilité et la durabilité. Et cette soirée spéciale sera animée par Jonas Schneider, journaliste et entrepreneur bien connu, ainsi que deux invités, Monsieur Johan Dobler, qui est en charge de l'innovation et du digital chez Coca, et du docteur Benoît Dubuis, président de la Fondation Inartiste et de l'Académie suisse des sciences techniques, que certains ont déjà entendu lors de l'allocution du 1er août de cette année,
ou de l'année passée plutôt. Voilà, donc ce rendez-vous sera également l'occasion pour votre municipalité de vous faire découvrir son plan d'action, le plan d'action Smart City pour la ville de Gland. Je vous rappelle qu'un large sondage avait été lancé en automne dernier, auquel vous avez certainement participé, et c'est donc de ce plan d'action dont il s'agit. Alors, surveillez vos boîtes aux lettres. Le flyer vous sera distribué dans les jours qui suivent. Et je vous remercie vraiment de participer, de vous inscrire et, si possible, d'emmener aussi vos familles et vos voisins qui seraient intéressés par cette démarche. Développement durable, nous aurons le plaisir d'accueillir pour une période de 2 mois à partir du 1er mai le pavillon climatique. Un pavillon climatique a été mis à la disposition de la ville de Gland. Il s'agit d'un résultat d'un projet qui est mené en partenariat entre la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg et le secteur énergie et développement durable de la ville de Fribourg. Ce pavillon climatique s'installera dans la cour de Grandchamp. Des expositions, des thématiques seront débattues dans ce pavillon climatique. Et ça vise à illustrer les possibilités d'adaptation au changement climatique. Le choix de la cour de Grandchamp n'a pas été fait par hasard, c'est pas anodin, puisque vous savez que la cour de Grandchamp a été identifiée dans notre plan climat communal comme l'un des points de chaleur les plus forts dans notre commune. Donc ce sera non seulement des présentations, mais ce sera aussi en live, puisque les mois qui s'annoncent seront, je pense, assez chauds. Ce pavillon est réservé aux écoles durant les horaires scolaires et ouvert le reste du temps au grand public. Le CRL, la bibliothèque communale ont déjà prévu d'y faire des animations en lien avec le développement durable. Et pour vous, conseillers communaux, mais aussi habitantes et habitants, une inauguration est prévue le 4 mai à 17h, de 17h à 18h30, et vous y êtes tous les bienvenus. Task Force pénurie d'énergie. Alors, concernant la situation énergétique, vous aviez adopté en décembre 2022 le préavis numéro 33 relatif à la demande de crédit pour la création de 3 points de rencontre, donc les fameux PRU, en cas de pénurie d'énergie, ce qui a permis d'acheter une génératrice pour préserver les serveurs informatiques. Cette génératrice permet de façon tout à fait automatique, en cas de coupure de courant, de prendre le relais et de maintenir les services informatiques. La mise en service a été faite, les premiers tests sont concluants, puisque la validation a eu lieu le 4 avril dernier et le premier démarrage automatique a eu lieu en conditions réelles, puisque 2 jours plus tard, il y a eu une coupure de courant, donc le 6 avril, une coupure du courant général de l'alimentation électrique dans notre quartier. Ça avait été annoncé par la SEIC, hein. Mais enfin, il y a eu une coupure de courant et le résultat, c'est qu'en quelques secondes, la coupure a été détectée par le système. Le groupe électrogène a automatiquement démarré et l'alimentation est garantie pour l'informatique et toute l'infrastructure centrale de ce bâtiment. Toujours concernant le préavis, en parallèle de l'achat de cette génératrice, nous avons procédé à l'achat de petits matériels et également à la location de 2 génératrices qui nous auraient permis d'accueillir la population vulnérable dans les 2 points de rencontre prévus et de contacter les services d'urgence en cas de dégradation de la situation d'approvisionnement énergétique. Aujourd'hui, la task force est en veille, mais nos services continuent de travailler sur un plan de gestion de crise générale. Celui-ci devrait comprendre également l'éventualité de délestage électrique. Et on essaye ainsi d'anticiper une éventuelle dégradation de l'approvisionnement énergétique durant l'hiver qui vient. Mais ça, c'est de la musique d'avenir, mais on y travaille pour le cas où ça devrait se produire. Dernière communication, Communion NRTV. L'Assemblée générale de Communion s'est tenue hier soir, mercredi 26 avril. Quelques changements sont à noter au niveau du comité. Tout d'abord, M. Daniel Rossella, président depuis 2015, a souhaité quitter le comité, ainsi que M. Pierre-Alain Dupuis. M. Alexandre Demetriades, municipal à Nyon, et Mme Carole Hertig de Trélé ont été élus, et j'ai pour ma part repris la présidence. Et j'en ai terminé avec mes communications. Je vous souhaite un bon conseil. Merci. Merci, Madame Syndic.
Je passe maintenant la parole à Monsieur Gérald Gretteny, municipal en charge de la sécurité publique, de la population et des transports publics. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les conseillers et conseillers, alors quelques informations pour mon dicaster. Tout d'abord, on arrive maintenant dans une période de fête et si je crois qu'il y en a d'autres qui vont vous être présentés encore tout à l'heure, vous dire simplement que la fête du terroir qui a lieu à Grandchaux traditionnellement au mois de juin est fixé donc le 3 juin et sera effectivement un lieu intéressant pour une journée pour pouvoir faire connaissance avec les marchands qui sont dans ce domaine. Ensuite, au niveau de l'ORPC, alors dans les corps tels que l'ORPC ou le SDIS pour les pompiers, les rapports, c'est une occasion de revenir dans le cadre d'un événement au niveau de l'engagement du corps dans l'année précédente. C'est celui de l'ORPC qui n'avait plus eu lieu depuis quelques années. C'est donc tenu le mercredi 26 avril à Founay, en présence du conseiller d'État, M. Vassilis Venizelos. C'était l'occasion de présenter notre nouveau commandant, Joël Tobler, et de rassurer les autorités tant communales que cantonales sur les capacités de l'ORPC du district de Nyon de pouvoir réaliser les missions qui lui sont demandées. Ensuite, vous dire que nous avons rajouté des places de parc sur le parvis de l'église. Il y a 6 places de parc nouvelles, mais dont 2 sont un petit peu semi-nouvelles parce qu'elles sont, en réalité, on a dû modifier un emplacement pour pouvoir accéder au parvis. Donc, par rapport, effectivement, aux travaux qui sont en route sur le Vieux-Bourg, pour pouvoir assurer aux commerces qui sont directement là et qui sont passablement touchés par les travaux, de pouvoir avoir des places à disposition facilement. Et une dernière information, en date du 22 janvier de 2023, la présidente du PS, Mme Véronique Villene, a sollicité le service de la population pour une présence des stands politiques au marché. Les chefs de parti ont été invités à une séance qui s'est tenue le 4 avril 2023 et qui avait pour but de récolter les avis et besoins des partis afin d'élaborer une solution la plus adaptée possible. En complément des mesures prises en faveur du marché, il a été décidé de formaliser la présence des stands politiques sous cette forme. Durant les 4 semaines qui précèdent un scrutin, fédéral, cantonal ou communal, élection ou votation, le marché est ouvert à la présence de stands politiques. Les dates des élections, votations pour les prochaines années, on les connaît, je ne vais pas vous faire la liste ici, vous allez tous recevoir ce document. Les partis s'inscrivent au moins 60 jours avant la date du scrutin. La question simplement, c'est de pouvoir être présent, le cas échéant, dès la distribution du matériel de vote. Et 60 jours avant la date du scrutin, et il y a 5 emplacements pour stands politiques qui sont garantis. Mais une fois ce délai échu de 60 jours, ça sera premier arrivé, premier servi, pour que nous puissions éviter d'avoir un marché dans lequel il y a jusqu'à 5 trous dans sa composition. Donc on va petit à petit remplir les stands qui ne sont pas demandés. Les parties peuvent bénéficier d'un stand à la fois, et puis les dimensions sont au maximum de 3 mètres sur 3, et le matériel est à charge des participants. Vous aurez les adresses dans ce courrier pour pouvoir vous inscrire. Et comme la date prochaine, c'est le 18 juin, comme vient de le rappeler notre président, le 18 juin, ça veut dire qu'on est un tout petit peu en dehors des 60 jours en question. Simplement, inscrivez-vous la semaine prochaine si vous le souhaitez. Et comme ça, on pourra tenir compte de votre inscription. Voilà, j'en ai terminé pour ces communications et je vous souhaite un excellent conseil. Merci, M. Cretteny. Je passe maintenant la parole à Mme Isabelle Monnet, municipale en charge des affaires sociales, du logement, de la culture, des cultes, de la politique de la santé
et des personnes âgées. Vous avez la parole, madame. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les conseillères et conseillers, alors les 12, 13, 14 mai, Gland va vivre au son de la 50e fête cantonale des chanteurs vaudois. Cette fête cantonale, présidée par Monsieur Gérald Cretigny, aurait dû avoir lieu en 2021, mais la Covid a fait en sorte de la reporter à cette année, qui marquera également les 170 ans de la Société cantonale des chanteurs vaudois. Cette manifestation accueillera plus de 60 chorales, 6 chœurs d'aînés et plus de 500 enfants. Quasi toutes les salles de la ville ont été réservées pour cet événement qui aura lieu principalement à Grandchamp, au Temple, à l'église catholique, à la salle communale et au Perreret. Vendredi 12 mai débutera à 15h un concert des aînés, à 20h la voile de Ferran Gili Milera à Grandchamp. Samedi 13 mai, cérémonie d'ouverture en présence de la conseillère d'État, Madame Nouria Gorité, avec la fanfare de Gland. Ensuite, un concert, la Missa Tango, et en fin de soirée, un bal populaire. Dimanche 14 mai, célébration œcuménique à l'église Saint-Jean-Baptiste à 10h, concert de l'école de musique de Rolle, le palmarès du jour, et en fin de journée, la cérémonie de clôture en présence de la conseillère d'État, Madame Christelle Luisier-Bredard. Il y aura également un marché, du théâtre de rue, une fresque en live, des guinguettes, un caveau et divers stands de restauration. Pour la billetterie, c'est www.fccv2023.ch et l'association est également à la recherche de bénévoles pour les accompagner durant les 3 jours de la manifestation. L'association Orgue en Jeu, soutenue par la ville de Gland, propose un magnifique récital d'orgue au Temple le 5 mai à 20h. Voilà, j'en ai terminé avec mes communications. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent conseil. Merci, Madame Monnet. Je passe maintenant la parole à Monsieur Gilles Davoine, municipal en charge des finances, de l'économie, du sport et des domaines. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers. Je me permets de revenir rapidement sur la Gland Spring Run, dont a déjà parlé le Président du Conseil, pour vous dire qu'effectivement, c'était une grande réussite, puisque nous avons eu 1115 inscrits, dont notamment 279 enfants. Tout s'est bien passé, la météo était parfaite, puisqu'il a commencé à pleuvoir quand il fallait commencer à dire aux gens de rentrer chez eux. Donc c'était très très bien. Je remercie aussi, comme l'a fait le président du conseil communal, tout le personnel communal qui fait que cette course est possible et est aussi belle. Et puis également nos partenaires principaux qui sont la Linière et la foulée glandoise, pardon, grâce à qui nous pouvons organiser tout cela et qui met à disposition de nombreux bénévoles également. Cette course aura lieu normalement l'année prochaine, contrairement à cette fois les 20 et 21 avril. On est en train de regarder pour éventuellement faire ça sur 2 jours, mais ne devrait pas avoir lieu à la fin des vacances scolaires, mais la semaine d'après, en fonction aussi des 10 km et 20 km de Lausanne, qui se déroule à une date ultérieure l'année prochaine. Voilà pour le petit scoop du jour. Vous dire aussi, au niveau sport, toujours, on bouge aussi avec Urban Training, qui reprend le 3 mai à 18h30. C'est toujours devant le bâtiment communal, mais il faut s'inscrire sur le site d'Urban Training. C'est limité à 25 personnes. Donc, je profite pour faire un petit rappel. Nous faisons ça chaque année depuis quelques années déjà. Et puis, on bouge toujours avec toute la Suisse, avec la Suisse Bouge, qui aura lieu le dimanche 11 juin au Centre sportif d'Ambord, entre 10h et 16h. Voilà pour la partie sport, partie finance, économie. Vous dire que nous avons renouvelé un emprunt à hauteur de 5 millions, toujours chez Swissquote Bank SA, ici à Gland, pour 3 mois. C'était le 11 avril dernier, ça dure donc jusqu'au 11 juillet prochain, et au taux de 1,6%, il était avant à 1,22%, autant dire que c'est un lointain souvenir que lorsque je vous annonçais des taux négatifs. Et puis vous dire que malheureusement, je vous ai dit une bêtise. Nous avons calculé la dernière fois très rapidement pour le conseil communal du mois de mars la marge d'autofinancement. En faisant une erreur sur des fonds de réserve au niveau équipement communautaire et puis déchets, ce qui fait que si l'excédent de revenus sur les charges reste bien de 2,2 millions comme annoncé, la marge d'autofinancement, elle, malheureusement,
malheureusement a fondu un tout petit peu puisqu'elle elle n'est pas de 10,5 millions comme annoncé, mais de 7,6 millions, 7 660 000 francs et 605 francs pour être très précis. Mes excuses pour cette erreur, nous voulions vous donner l'information en primeur rapidement et voilà que nous avons eu quelques fonds de réserve qui ne sont pas passés dans nos calculs. Voilà, et puis encore vous dire très rapidement que juste au niveau de l'économie, vous avez peut-être pu voir qu'il y avait déjà 4 façades en fleurs de nos commerces, les autres sont en cours, et n'oubliez pas en tout cas de faire tourner autour de vous le fait que nos commerces sont évidemment ouverts pendant les travaux. Gérald Crétin, il a dit, il y a des places supplémentaires pour My Kebab qui souffre notamment quand même beaucoup de ces travaux en particulier. Mais enfin, tous les commerces, faites vraiment passer le mot car c'est quand même difficile pour ces commerces en cette période de travaux. Voilà pour mes communications. Je vous souhaite un excellent conseil. Merci, monsieur Davoine. Je passe maintenant la parole à monsieur Thierry Genoux, municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme. Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les conseillers et conseillers. Deux petites communications. Vous avez tous, je pense, une fois été à la piscine de Perreret. Alors, les travaux ont pu mettre les filtres provisoires qui ne sont pas encore arrivés, malheureusement, puisqu'on a eu pas mal de problèmes sur l'acheminement des différents matériaux, des différentes pièces spéciales, mais la piscine a pu être mise en eau et le traitement a pu être mis avec des filtres provisoires en service ce week-end, la fin des vacances de Pâques. Et maintenant, il reste encore quelques travaux qui seront exécutés cet été, pendant les vacances, pour éviter de la mettre hors service pendant la période scolaire. Le budget sera respecté parce qu'on se demande beaucoup quand on a des travaux, si on va vraiment réussir avec les augmentations de coûts. Alors rassurez-vous, le budget sera respecté. Le préavis 96 de 2021, ça doit tous vous dire quelque chose, j'imagine. Moi, ça ne me disait plus rien, mais c'est tellement vieux. C'était l'agrandissement des bâtiments scolaires. On a déjà fini la première étape qui consistait à mettre un niveau supplémentaire à Mauvernet. Mauvernet, c'est le bâtiment rouge qui est dans le complexe de Mauvernet. Le chantier est en phase d'être terminé, il n'y a plus que quelques petites finitions. Là, on a aussi respecté le budget. Les études d'agrandissement de Grand Champ, ça, c'est ce qui est peut-être le plus long à faire, puisqu'il y a vraiment des gros travaux. On est en train de travailler avec le bureau Ferrari, qui est le bureau lauréat de l'appel d'offres. Et les études sur la surélévation de Grand Champ, vous avez peut-être vu que l'enquête publique y a passé. On a un petit souci avec les monuments et sites de notre beau canton. Malheureusement, il y a une revisite du recensement architectural qui a été demandé par Patrimoine Suisse. Je vous laisse imaginer. Le préavis ne pourra pas être là avant fin juin, d'après le service cantonal, ce qui fait qu'on va essayer vraiment de faire bouger ça, parce que c'est un beau collège, c'est un beau bâtiment qui mérite certainement de la protection, mais on n'a pas du tout l'idée, avec les travaux de surélévation, de le dénaturer. Donc on va essayer quand même d'arriver vers vous le 15 juin avec le préavis de construction. Voilà, merci, bon conseil. Merci, monsieur Genoux. Je passe maintenant la parole à madame Jeannette Weber, municipale en charge de l'accueil de l'enfance, de la jeunesse et des écoles. Vous avez la parole, madame. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les conseillères et conseillères, chers publics, chers enfants, l'association Le Colibri a pu ouvrir sa nouvelle crèche le 3 avril au Bourgeau. Avec ses 88 places, elle est devenue une des plus grandes structures du canton. Nous félicitons donc le comité du Colibri pour leur investissement et avec cette structure, il nous soulage un petit peu notre longue liste de places d'attente qu'on a toujours pour les places en structure. Après, je vous annonce donc la fête du skatepark aura lieu le samedi 6 mai en bord de 10h à 19h. Cette fête est organisée par l'association Skateboard de Nyon, avec le soutien du service jeunesse et du CRL.
Ensuite, pour sensibiliser les élèves de Grandchamp sur la thématique du gaspillage alimentation, l'association Simply Act a organisé des ateliers pour les classes des 10e et 11e années. L'association Simply Act a d'ailleurs été un des lauréats du prix de la nouvelle économie de Gland. Les élèves ont appris, entre autres, qu'un tiers de tous les denrées alimentaires est perdu en Suisse comme partout dans le monde. Aussi au restaurant scolaire, bien sûr, il y a tous les jours des pertes d'aliments. Suite à cette campagne de sensibilisation, le Relax Resto a réussi à réduire le gaspillage de 35%. C'est-à-dire de 67 kilos la semaine du 27 février à 44 kilos pour la semaine du 13 mars. Certains élèves des classes qui ont participé à ce projet ont réalisé des vidéos qui traitent la thématique du gaspillage. Un jury externe à l'école a primé une vidéo par classe. Les résultats seront donnés lors du grand banquet Food Safe qui aura lieu le jeudi 4 mai à partir de 18h30 à la salle des colonnes à Grandchamp. Ce banquet est donc organisé par l'association Simply Act avec la collaboration de Eldora et l'aide des élèves pour le service. Si vous voulez y participer, il reste encore des places, il suffit de vous inscrire sur le site de Simply Act. Ce banquet suit d'ailleurs l'inauguration du pavillon climatique qui était annoncé tout à l'heure par Madame Giraud. J'en ai terminé avec mes communications, je vous souhaite un excellent conseil. Merci. Merci Madame Weber. Je passe maintenant la parole à Madame Christelle Giraud-Niedegger, municipale en charge de l'équipement et des espaces verts, de la gestion des déchets et des forêts. Vous avez la parole, Madame, vous me donnez juste un seconde pour faire venir vos pages. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, chers enfants, chers parents. Donc pour le service Dicaster Infrastructure et Environnement, voici mes communications. Tout d'abord, un point sur les travaux. Je commence par la rue de la Gare. Donc les enrobés, donc c'est-à-dire les couches de base et intermédiaires, ont été posées le 6 avril dernier. Le tronçon a été réouvert le 11 avril. Il s'agit du premier tronçon en rouge depuis la gare de Gland. Les équipes travaillent actuellement sur les tronçons 2 et 3 où la pose des enrobés est prévue pour mi-juin. Le tronçon 5, quant à lui, sera traité, si tout va bien, fin mai, en coordination avec les travaux réalisés à la Grand Rue par l'entreprise Colas. Pour la prochaine slide, un point au niveau du Vieux-Bourg. Alors, à l'écran, il n'y a pas le tracé bleu, mais vous verrez, le tracé, c'est entre le chiffre 1.4 et 1.1. Pour vous informer qu'une conduite provisoire d'eau potable et de gaz a été mise en place afin de sécuriser les conduites existantes avant leur remplacement. Également, des ponts lourds ont été mis en place pour garantir l'accès aux propriétés privées. Dans le secteur 1.1, les travaux de collecteurs sont maintenant terminés. Le secteur 1.2, les travaux collecteurs sont actuellement en cours. Ensuite, dans le secteur 2.1, un petit peu plus du côté droite, les travaux collecteurs ont été effectués à environ 4 mètres de profondeur. Ils sont maintenant également terminés. Et c'est maintenant le chauffage à distance qui travaille dans ces fouilles. À la place du temple, vous avez peut-être vu quelques travaux également. Les équipes entreprennent actuellement des travaux de sondage pour étudier la capacité portante de la terrasse en vue des futurs aménagements de surface, puisqu'on a un projet également de végétalisation de cet espace-là. On vous en parlera dans les prochaines semaines, prochains mois.
Voilà pour les travaux. Un point également sur la, pour la place de jeu pardon, de la Dôle. Il y a quelques mois, la ville lançait un projet de transformation de la place de jeu de la Dôle. L'objectif ici est de repenser l'espace, mais aussi les activités qui seront proposées au sein de ce petit poumon vert urbain. Dans ce cadre-là, nous avons répondu à un appel à projet d'Unisanté qui encourageait les communes vaudoises à transformer les places de jeu en parcs publics pour toutes et tous, à travers un processus collectif et participatif. Et c'est avec plaisir que nous vous avons appris il y a quelques semaines que le projet de réaménagement du parc de la Dôle avait été retenu parmi les 49 projets portés et présentés par des petites et grandes communes vaudoises. La réflexion de cette transformation va débuter maintenant avec la population. Ça commencera donc le 6 mai, entre 11h et 17h. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à venir sur place pour réfléchir avec l'atelier Olga sur cette transformation du parc de la Dôle. Donc voilà, c'est entrée libre, donc parlez-en autour de vous. Un processus participatif pour réfléchir à cet espace. J'en ai ainsi terminé avec mes communications. Je vous souhaite un excellent conseil. Merci. Merci, Madame Giraud-Niedegger. Nous avons ainsi fini avec les communications de la municipalité et je remercie ses membres pour l'information ainsi transmise à notre conseil. Avec l'arrivée des conseillers Charanjit Dangel et Raphaël Grandjean, nous sommes désormais 60 membres présents. Nous passons maintenant au point 5 de notre ordre du jour, communication des délégués et déléguées du Conseil communal aux entités intercommunales et aux commissions consultatives municipales. La parole est à qui veut bien la prendre. Monsieur Maudji, je vous la donne. Oui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, donc le 5 avril 2023 a eu lieu le Conseil intercommunal du RAT. Donc l'exercice 2022 a été marqué par une progression régulière de la fréquentation dans les structures des communes membres du RAT, avec une augmentation de 7,1% du nombre total des heures d'accueil. Et il atteint maintenant 2,2 millions environ. Le manque de places engendre une liste d'attente suite à une santé économique et une évolution démographique soutenue du canton de Vaud, avec probablement un impact sur la reprise suite à l'effet Covid. Dans ce contexte, de nouveaux projets ont été concrétisés avec l'ouverture, comme l'a dit notre municipal depuis décembre 2022, d'une structure d'accueil de 44 places Be Happy à Gland, située dans le quartier de la Combat, une autre structure, le Colibri Borgeau, de 88 places, a aussi été ouverte en début de ce mois. Donc, ça fait pratiquement 128 places qui ont été ouvertes à Gland ce mois-ci. Il y aura donc une nouvelle crèche qui va s'ouvrir à Vic avec 44 places en automne de cette année. Le nombre d'AMF actuellement est de 103 et il s'occupe à peu près de 705 enfants. Et puis le nombre total des enfants qui sont accueillis dans les différentes structures du réseau, c'est 2338. Sous réserve du bouclement des différentes structures, les résultats semblent, dans leur ensemble et selon les informations disponibles actuellement, également réjouissantes, c'est-à-dire pas de surprise à attendre. Et conformément à la demande du Conseil délibérant, grâce aux contributions supplémentaires de la FAGE qui a accordé des subventions complémentaires et la bonne gestion des structures et de l'AFG, les prix sont restés inchangés en 2022 et ça devrait être aussi le cas en 2023. Si jamais le coût de la vie aurait un impact sur ces coûts-là, elle serait encaissée par les réserves qui sont disponibles dans ces structures. Merci beaucoup. Merci, M. Maugy, pour ces informations concernant le RAT. La parole est toujours à qui veut bien la prendre, mais ce ne semble pas être le cas. Je déclare donc la discussion sous ce point close. Et nous passons, sans plus attendre,
au point 6 de l'ordre du jour intitulé « Préavis municipal 36-2023 relatif à la demande de crédit d'investissement pour la rénovation et l'optimisation des installations de traitement de la station du Monton ». J'appelle le conseiller Steve Bengali, premier membre et rapporteur de la commission technique, de nous faire part des conclusions de sa commission. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, donc, les membres de la commission technique sont réunis le 4 avril dernier en présence de la municipale et du chef de service en charge des infrastructures et de l'environnement, qui ont répondu à satisfaction à toutes les questions qui leur étaient posées. Et sur cette base, les membres de la commission donc, recommandent à l'unanimité ses membres d'accepter les décisions suivantes. Accepter le préavis municipal numéro 36 relatif à la demande de crédit d'investissement pour la rénovation et l'optimisation des installations de traitement de la station du Montant. D'accorder un crédit de 1 550 000 francs et d'autoriser la municipalité à entreprendre ces travaux, ainsi que d'autoriser la municipalité à emprunter la somme de 755 000 francs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bengali. Je note que la commission a émis un vœu que vous trouvez dans le rapport. On n'a pas entendu viva voce, mais ce n'est pas grave. Et invite la municipalité d'en prendre bonne note. J'appelle maintenant le conseiller Evan Locke, en remplaçant du conseiller Samuel Freuler, premier membre et rapporteur de la commission des finances, de nous faire part des conclusions de sa commission. Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, je vais un peu répéter ce qu'il a dit tout à l'heure. Conclusion. Au vu de l'importance de fournir une eau potable de qualité à nos citoyens et à l'urgence relative des travaux, la commission des finances est convaincue du bien fondé de ce préavis. Fondée sur ce qui précède, la commission des finances recommande à l'unanimité de ses membres d'accepter les conclusions du préavis municipal numéro 36, soit 1. D'accepter le préavis municipal numéro 36 relatif à la demande de crédit d'investissement pour la rénovation et l'optimisation des installations de traitement de la station du Montant. 2. D'accorder un crédit de francs suisses 1 550 000 et d'autoriser la municipalité à entreprendre ses travaux. Et enfin, 3. D'autoriser la municipalité à emprunter la somme de francs suisses 775 000. Merci. Merci, Monsieur Locke. Je constate que les deux commissions nous proposent à l'unanimité de leurs membres d'accepter le préavis 36-2023 tel que présenté. J'ouvre donc maintenant la discussion sur ce préavis. La parole est à qui veut bien la prendre. Mais la parole ne semble pas être demandée. Je déclare donc la discussion close et nous passons au vote sur les conclusions du préavis 36-2023 et je prie les conseillères et conseillers qui les acceptent tels que présentés de manifester en levant leur carton de vote orange. On fait le test avis contraire. Zéro. Abstention. Également zéro. Je vous remercie. Et pour le procès-verbal, je note la décision suivante. À l'unanimité des membres présents, le Conseil communal accepte les conclusions du préavis municipal 36-2023 relatives à la demande de crédit d'investissement pour la rénovation et l'optimisation des installations de traitement de la station du Montant, telles que présentées, soit 1. D'accorder un crédit de francs suisses 1 550 000 et d'autoriser la municipalité à entreprendre ces travaux. Et 2. D'autoriser la municipalité à emprunter la somme de francs suisses 775 000. Je vous remercie. Passons maintenant au point 7. De l'ordre du jour intitulé « Préavis 37-2023 relatif à une demande de crédit d'investissement pour les travaux de seconde œuvre et d'aménagement du bâtiment A5.1 du quartier Lacombe, 6 sur la parcelle numéro
43-11. J'appelle la conseillère Stéphanie Larrivé, première membre et rapporteur de la commission technique, de nous faire part des conclusions de sa commission. Vous avez la parole, madame. Quoi ? Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers, la commission a mis deux voeux en avant destinés à la municipalité. Le premier étant d'étudier la possibilité d'installer un garage à vélo et le second, que le choix du locataire se fasse scrupuleusement. Conclusion. Fondée sur ce qui précède, la commission technique recommande à l'unanimité de ses membres d'accepter les conclusions du préavis municipal numéro 37 et de prendre les décisions suivantes. D'accepter le préavis municipal numéro 37 relatif à une demande de crédit d'investissement pour les travaux de seconde œuvre et d'aménagement du bâtiment A51 du quartier de la Combat. D'accorder le crédit de 896 800 francs et d'autoriser la municipalité à exécuter ses travaux. D'autoriser la municipalité à emprunter la somme de 896 800 francs. Et d'autoriser que les charges de fonctionnement qui en découlent, estimées à 64 350 francs la première année, soient mises au budget du fonctionnement. Merci. Merci, Madame Larrivé. J'appelle... Non, je note d'abord que la commission a émis deux vœux et j'invite la municipalité d'en prendre bonne note. Et maintenant, j'appelle la conseillère Ahimara Buffa, rapporteure de la commission des finances, de nous faire part des conclusions de sa commission. Vous avez la parole, madame. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les conseillers, merci. Je vous remercie pour le temps de parole. La commission des finances a un amendement à proposer lors de ce préavis municipal numéro 37 relatif à la demande de crédit d'investissement pour les travaux de seconde œuvre et d'aménagement du bâtiment 5A du quartier La Combat, situé sur la parcelle 43-11. Dans le chapitre coût des travaux, la colonne montant TTC CFC chiffre 2 indique un montant de francs 69 400 sous rubrique honoraire de l'entreprise Total. Ce poste correspond aux honoraires de l'entreprise Steiner SA, équivalent à 10% des coûts des totaux des travaux, hors honoraires. Cependant, des honoraires de 27 000 francs ayant par erreur été inclus dans son montant, le pourcentage alloué à Steiner SA ne comporte en réalité que sur 66 670 francs et non 69 400, comme indiqué dans le présent préavis, soit une différence de 2 700 francs, qui impacte d'autant la demande de crédit et d'emprunt. Par conséquent, la commission de finances dépose un amendement correctif et des demandes de crédit et d'emprunt, lesquelles se montent ainsi à 894 100, correspondant à cette différence. C'est pourquoi, si vous acceptez cet amendement, la commission des finances vous propose d'accepter le préavis municipal 37 relatif à la demande de crédit d'investissement pour les travaux de seconde œuvre et d'aménagement du bâtiment A51 du quartier La Combat 6, parcelle 43-11, d'accorder le crédit d'investissement de 894 100 francs et d'autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. D'autoriser la municipalité à emprunter la somme de 894 100 francs et d'autoriser que les charges de fonctionnement qui en découlent, estimées à 64 350 francs la première année, soient mises au budget de fonctionnement. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Madame Buffa. Je constate que la Commission des finances nous propose un amendement correctif des conclusions du préavis 37-2023 que vous voyez affiché sur l'écran. Conformément à notre règlement, la procédure sera la suivante. Ouverture de la discussion sur le préavis en général, puis ouverture de la discussion sur l'amendement présenté et vote sur ce dernier, puis ouverture de la discussion sur le préavis amendé ou non, et finalement le vote sur ce dernier. Je vous rappelle que, quelle que soit l'issue du vote sur l'amendement proposé, vous restez libre ensuite sur votre vote au sujet du préavis, amendé ou non. J'ouvre donc maintenant la discussion sur ce préavis en général. La parole est à qui veut bien la prendre. La parole ne semble pas être demandée.
La discussion est close. J'ouvre maintenant la discussion sur l'amendement proposé, soit de diminuer de francs suisses 2 700 le montant de demande de crédit et d'emprunt, lesquels se montrent ainsi à francs suisses 894 100 au lieu de francs suisses 896 800. La parole est à qui veut bien la prendre. La parole ne semble pas être demandée. La discussion est close et nous passons, nous votons désormais sur l'amendement proposé. Je prie les conseillères et conseillers qu'ils acceptent de le manifester en levant leur carton de vote orange, donc les avis en faveur de l'amendement. Oui, on fait l'avis contraire. Donc, celle qui ne veut pas cet amendement? Zéro. Des abstentions? Trois, c'est juste? Quatre? Trois? Trois et demi? Quatre. Hein? Quatre. Je vous remercie et note que vous avez accepté avec une très large majorité cet amendement. J'ouvre maintenant la discussion sur les conclusions du préavis 37-2023, tel qu'amendé il y a quelques instants. La parole est à qui veut bien la prendre. Madame Villene, je vous la donne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, j'aurais une question plutôt pour la municipalité. J'ai vu aucune mention de planning, de début des travaux, de rien du tout dans ce préavis. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse un VVF bis avec une coquille vide encore pour un moment. Merci. Merci, Madame Villene. Monsieur le municipal, je vous donne la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers, alors, sitôt qu'on aura mis en concurrence les entreprises qui doivent travailler dans ce bâtiment, parce que là, on est sur un montant de travaux qui a été défini avec l'entreprise Steiner qui a construit le quartier. Donc c'est vrai que certains corps de métier ne pourront pas être pris à l'extérieur. Par contre, on va quand même essayer de faire travailler les entreprises locales pour ce qui est possible avec la loi sur les marchés publics, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça risque de prendre un tout petit peu de temps, mais le but n'est pas d'attendre le début de l'année prochaine pour finir ce bâtiment. C'est vrai qu'au fur et à mesure des soumissions rentrées, la municipalité prendra les décisions nécessaires pour aller poursuivre au moment où on a votre validation qui ne saurait tarder, j'espère. Merci. Merci, Monsieur Genoux. La parole est toujours à qui veut bien la prendre. Mais ça ne me semble plus être le cas. La discussion est donc close. Et j'ouvre maintenant le vote sur les conclusions du préavis 37-2023. Et prie les conseillères et conseillers qui les acceptent tel qu'amendé de le manifester en levant leur carton de vote. On fait comme tout à l'heure, les avis contraires. Zéro. Les abstentions, zéro également. Je vous remercie. Pour le procès-verbal, je note la décision suivante. À l'unanimité des membres présents, le Conseil communal accepte les conclusions du préavis municipal 37-2023 relatif à une demande de crédit d'investissement pour les travaux de seconde œuvre et d'aménagement du bâtiment A5-1 du quartier La Comba, 6 sur la parcelle numéro 4311, tel qu'amendé, soit 1. D'accorder un crédit de francs suisses 894 100 et d'autoriser la municipalité à entreprendre ces travaux. 2. D'autoriser la municipalité à emprunter la somme de francs suisses 894 100. Et 3. D'autoriser que les charges de fonctionnement qui en découlent, estimées à francs suisses 64 350 la première année, soient mises au budget de fonctionnement. Nous arrivons maintenant au prochain chapitre de notre
Ordre du jour qui concerne les préavis présentés par la municipalité en première lecture. Et nous passons au point 8 de l'ordre du jour. La séance de la commission technique chargée d'étudier le préavis municipal 38-2023 relatif à la demande de crédit d'investissement pour l'étude du réaménagement de la route suisse RC1 est fixée au mardi 16 mai 2023 à 18h30 à la salle Montblanc du bâtiment du Montoli 1 en présence de la conseillère municipale Christelle Giron-Nidecker. Ce préavis sera également étudié par la commission des finances. Je donne la parole à notre secrétaire, Madame Karine Teixeira-Ferreira, pour la lecture de la composition de la commission technique chargée d'étudier ce préavis. Vous avez la parole, Madame. Premier membre, Cholet Pascal, PLR. Membre, Kohler Karine, GDG. Mingeli Steve, GDG. Weber Anita, PS Les Verts. Kesslin Bernard, UDC. Merci, Madame. J'ouvre maintenant la discussion sur ce préavis en première lecture. La parole est à qui veut bien la prendre. Oui, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers. Trois questions pour la commission technique. Première question, est-ce que le ou les bureaux d'études qui ont déjà effectué les mêmes genres de travaux, notamment entre Coppet et Founet, ont été approchés? Deuxième question, quelle implication, notamment sur les subventions cantonales, aurait une mise en localité du tronçon situé à l'est du rond-point Chiliguerre, permettant d'inclure les carrefours avec la clinique La Linière et la Dulive? Et troisième question, le revêtement anti-bruit semble d'emblée être écarté du préavis pour la zone en localité. Quelles sont les raisons de cette autre approche? Merci d'en prendre note et passez une bonne fin de conseil. Merci. Monsieur Brangolf, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers, j'ai aussi quelques questions concernant ce pour la commission technique. Je transmettrai par email aux membres de la commission ce que je vais présenter maintenant. Donc, tout d'abord, en page 3 du préavis, il est mentionné qu'en traversée de localité de Gland, le trafic motorisé provoque des nuisances sonores. Cette question rejoint exactement celle qui vient d'être posée par mon collègue Jean Heger, mais je vous la lis quand même. L'étude de l'assainissement de 2013 préconisait un changement de revêtement routier sur l'ensemble de cet axe routier. Or, selon le préavis, les coûts exorbitants du changement de revêtement ainsi que son faible impact sur le bruit font qu'elle, donc la mesure d'abaissement de vitesse de 60 km/h, sera considérée dans cette étude comme contrainte de base. Donc finalement, si je comprends bien, c'est qu'on compte surtout sur la limitation de vitesse pour réduire le bruit. Donc j'aimerais savoir sur quels critères le préavis se base pour affirmer qu'un revêtement routier anti-bruit n'aurait qu'un faible impact, alors que la plupart des experts et des expériences montrent au contraire que plus la vitesse est élevée, plus ces revêtements anti-bruit sont efficaces. La vitesse sur l'ensemble du tronçon glandois, je le rappelle, se situera entre 60 et 80 km/h. J'ai une deuxième question concernant le réseau d'évacuation des eaux de chaussée existants qui ne correspond plus aux exigences légales et normatives en matière de protection de l'environnement. Donc ma question est, quelles sont les exigences en normes et les normes en la matière? Prennent-elles également en compte les problèmes de l'huile et de l'essence sur la chaussée et qui sont évacués par les eaux de pluie, tout autant que les résidus de pneus dont l'usure émet une quantité de particules fines dont des récentes études montrent qu'elles sont 2000 fois plus nombreuses que celles émises par les pots d'échappement? Je mettrai la source de cette étude dans ma question. Ces particules de pneus non seulement polluent le lac, puisqu'elles y sont rejetées sans traitement, mais contiennent également de nombreux composants toxiques, également cancérigènes. Donc ceci faisant un peu partie du postulat que j'avais déposé lors de la législature précédente, les choses évoluant, les problèmes évoluent également. Enfin, en page 5 du préavis, j'ai le bilan des premières études. Ça, c'est le nom du chapitre dans le préavis.
Il est mentionné que ces montants ne tiennent pas en compte d'éventuelles subventions allouées, notamment celles découlant du PA4, pouvant atteindre 35% pour les aménagements relatifs à la mobilité douce. J'aurais aimé savoir quels sont les critères ainsi que les conditions pour obtenir ce type de subvention, et puis quelle est la partie du budget dans les 10 918 000 qui seront à notre charge qui est allouée aux mobilités douces. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pringolf. La parole est toujours à qui veut bien la prendre. Mais ce ne semble plus être le cas. Je déclare la discussion en première lecture close. Je prie les membres des commissions chargées d'étudier ce préavis de prendre bonne note des points soulevés et des questions lors de ce débat et d'y répondre dans leur rapport. Je vous remercie. Nous passons maintenant au point 9 de l'ordre du jour. Préavis municipal 40-2023 relatif au plan d'affectation Lavasson, au règlement et à l'étude d'impact sur l'environnement, décision finale. Ce préavis sera uniquement étudié par notre commission permanente d'aménagement du territoire. La séance est fixée au jeudi 4 mai 2023 à 19h précise à la salle 1 du bâtiment du Montolit 3 pour la présentation commune avec les préavis municipaux 41-2023, puis en salle 2 du bâtiment de Montolit, en compagnie du conseiller municipal Thierry Genoux, responsable du dossier. J'ouvre maintenant... Je donne la parole à Madame la secrétaire pour l'annonce des membres de... Ah oui, c'est la commission d'aménagement dont on connaît les membres, désolé. Le script a fait copier-coller et ce n'est pas bon ici. J'ouvre maintenant la discussion sur ce préavis en première lecture. La parole est à qui veut bien la prendre. Oui, Monsieur Genoux, je vous la donne. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers, alors on avait prévu de faire une séance de commission avec le 41, avec Gilles Davoine. On a un empêchement le 4 mai, donc on propose à tous les commissaires, donc les participants à cette commission, à ces deux commissions si on veut bien, on se réunit à la fin du conseil pour définir une date qui conviendra à chacun. Merci bien. Merci Monsieur Genoux. On a pris bonne note. Monsieur Pringolf, vous avez la parole. Je vous rassure, je n'ai qu'une question, donc ça ira plus vite. Ça concerne la partie décision finale à la page 8 du préavis, où il est mentionné que les eaux traitées de la steppe seront rejetées dans le Léman par le réseau existant via l'exutoire de la Dulive. Ma question pour la commission technique est que, actuellement, dans plusieurs pays, la réutilisation des eaux usées traitées est maintenant valorisée au lieu d'être rejetée en sortie de station d'épuration. Ces eaux usées traitées, au lieu d'être rejetées en sortie de station ou dans le lac, dans notre cas, dans le cas particulier ici, sont maintenant récupérées pour irriguer, arroser des cultures ou des golfs, les espaces verts et puis utilisés pour tout ce qui est espace urbain. D'autant que le prix de ces eaux usées traitées est beaucoup moins élevé que l'eau potable du réseau. Alors que la transformation de la steppe existante pour ce genre d'usage des eaux usées traitées se heurte, c'est vrai, à des problèmes de faisabilité technique ou budgétaire, ne vaudrait-il pas la peine d'évaluer cette question avant les premiers coups de pioche ? Je vous remercie. Merci, M. Pringolf. La parole est toujours à qui veut bien la prendre. Mais cette fois-ci, ce ne semble plus être le cas. Je déclare la discussion close. J'ai pris le membre de la commission d'aménagement du territoire chargé d'étudier ce préavis de prendre bonne note de la question et les points soulevés lors de ce débat en première lecture et d'y répondre dans le rapport. Je vous remercie. Nous passons désormais au point 10 de notre ordre du jour, préavis municipal
41-2023 relative à un échange de bienfonds et la constitution d'un droit de superficie en faveur de l'APEC sur une fraction de la parcelle numéro 1689. La séance de la commission technique va être fixée en accord avec M. Thierry Genoux et M. Gilles Davoine, municipal responsable du dossier, à la fin de cette séance, si j'ai bien compris. La commission des finances se déterminera ultérieurement sur son désir ou non de rapporter sur ce préavis. Je donne la parole à notre secrétaire, Mme Karine Teixeira-Ferreira, pour la lecture de la composition de la commission technique chargée d'étudier ce préavis. Je vous donne la parole, madame. Premier membre, Gremion Yvan, PS L'Hiver. Membre, Anon Katia, GDG. Beauvais Regina, GDG. Solimine Tommaso, PLR. Merce Simo, UDC. Merci, madame. J'ouvre maintenant la discussion sur ce préavis en première lecture. La parole est à qui veut bien la prendre. La parole ne semble pas être demandée. La discussion est close. Je vous remercie. Passons maintenant au chapitre intitulé « Autres objets » et au point 11 de notre ordre du jour, postulat du conseiller Pascal Riesen et collègues intitulé pour un parc d'ébattement pour chiens à gland. J'invite le conseiller Pascal Riesen de bien vouloir développer ce postulat. Vous avez la parole, messieurs. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers. Je pense que vous avez tous eu le loisir et le temps de, je pense et j'assume le temps de lire ce postulat, donc je ne vais pas vous le lire en entier, à moins que ceci ne soit spécifiquement requis. Je vous lis par contre quelques passages d'abord de l'introduction. Vous aurez vu qu'il y a aujourd'hui 774 chiens enregistrés sur la commune. La législation actuelle atteste que le mouvement en liberté de ces animaux, atteste du besoin de mouvement en liberté de ces animaux, mais interdit la promenade sans laisse en forêt et à proximité du 1er avril au 15 juillet de chaque année. Au vu de la configuration de la nature autour de notre ville, les promenades de chiens sont donc devenues très compliquées. Pendant la période de restriction, les mouvements en liberté sont devenus impossibles pour les chiens à gland. Je passe maintenant aux conclusions. À la lecture des textes de loi et des directives concernant la promenade et la condition des chiens, gland se trouve maintenant dans une situation particulière et doit se donner les moyens de régler cette contradiction en la matière. La création d'un parc d'ébattement pour chiens dans la commune de Gland répondra au principe énoncé dans l'OPAN, article 455.1 que vous avez en annexe, en offrant un espace sécurisé pour les chiens afin qu'ils puissent exprimer leur comportement naturel et leurs besoins d'exercice, de socialisation et d'extérieur. Cette mesure contribuera à améliorer le bien-être physique et mental des chiens tout en permettant à leurs propriétaires d'assumer leurs responsabilités à l'égard de leurs animaux de compagnie dans le cadre de la loi sur la faune. Nous demandons donc à la municipalité que la municipalité étudie la faisabilité d'une telle installation et prenne les mesures nécessaires pour la mettre en place dans les meilleurs délais possibles. Voilà, je remercie Annick et Samuel Freuler, ainsi que toutes les personnes, citoyens, citoyennes, qui ont participé à l'élaboration de ce postulat et déjà exprimé leur soutien à ce projet. Merci beaucoup, M. Riesen, pour la lecture de ce postulat, en tout cas en partie. J'ouvre maintenant la discussion sur la prise en considération, parce que c'est un postulat. La parole est à qui veut bien la prendre ? Il n'y a pas de demande de parole. Je vous remercie. La discussion. Oui ? Ah, d'accord. Merci, Madame Valen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les
Microphone, s'il vous plaît, merci. Il y a une autre devant vous. Pardon. Non, c'est tout bon. Je crois que ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les conseillers. Actuellement, à Vic, un parc à chiens va être construit en dessous du bois de chêne. Je pense que ce serait d'abord une bonne idée de voir comment ça va se passer là-bas avant de vouloir faire la même chose à Gland et de voir les conditions qu'ils vont mettre pour l'utilisation de ce parc. Je vous remercie. Merci, Madame Wallen. Il y a d'autres demandes de prise de parole pour la discussion sur la prise en considération. Ça ne semble pas être le cas. Donc, avant de continuer pour nous rappeler les procédures, j'aimerais vous rappeler ce que prévoit l'article 73 de notre règlement pour la considération du postulat. Je cite, le Conseil communal peut soit renvoyer la proposition à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoie à la municipalité si un cinquième des membres le demande, soit prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer à la municipalité, éventuellement assortie d'un délai particulier. Fin de citation. Je vous invite donc maintenant de voter si vous désirez renvoyer ce postulat en commission pour étude préalable avant de prise en considération ou pas. Donc ceux qui... Non ? Non. Pas de demande, donc il n'y a pas de commission pour préaviser. Donc vous votez maintenant sur la prise en considération directement, celles et ceux qui sont en faveur... Le manifeste en levant le carton de vote. Les avis contraires? 3, 4, 5, 6. Et les abstentions? Merci aux scrutateurs d'avoir scrupuleusement compté vos voix. Donc, le total de oui, 32, il y avait 6 non et 16 abstentions. Donc, avec ces 32 voix en faveur, vous avez décidé d'envoyer ce postulat à la municipalité pour étude et rapport. Je vous remercie. Voilà. Ça se caduque, ça se fait. Nous arrivons désormais au point 12 de notre ordre du jour. Réponse de la municipalité au postulat du conseiller Samuel Freuler pour le groupe Jean Deglon intitulé On n'en sait jamais trop, et nomination d'une commission. La séance de la commission chargée est étudiée. Cette réponse est fixée au mercredi 10 mai 2023 à 20h à la salle administrative du collège de Thouillères en présence de Mme la syndic Christine Giraud-Baumgartner, responsable du dossier. Je donne la parole à notre secrétaire, Mme Karine Teixeira-Ferrer, pour la lecture de la composition de cette commission. Vous avez la parole, madame. Premier membre, Girardet Michel, PLR. Membre, Freuler Samuel, GDG. Moret Philippe, GDG. Vilaine Véronique, PS Les Verts. Merce Simo, UDC. Merci, madame. J'ouvre maintenant la discussion sur cette réponse en première lecture. La parole est à qui veut bien la prendre. Mais je constate qu'il n'y a pas de demande de prise de parole en première lecture.
La discussion est donc close et je vous remercie. Passons désormais au point 13 de notre ordre du jour. Réponse de la municipalité au postulat du conseiller José Cayano pour la plateforme PS Les Vertes, intitulé « Pour la création d'un règlement et d'une charte pour la sélection des commerçants au marché hebdomadaire et nomination d'une commission ». La séance de la commission chargée d'étudier cette réponse est fixée au jeudi 4 mai 2023 à 8h du soir à la salle Montblanc du bâtiment de Montoly en présence du conseiller municipal Gérald Cretigny, responsable du dossier. Je donne de nouveau la parole à notre secrétaire, Mme Karine Teixeira Ferreira, pour la lecture de la composition de cette commission. Vous avez la parole. Premier membre, Di Felice Maurizio, UDC. Membre, Depreux Boscar d'Armagali, GDG. Calabrese Daniel, GDG. Cayano José, PS Les Verts. Valen Leoni, PLR. Merci, Madame. J'ouvre maintenant la discussion sur cette réponse en première lecture. La parole est à qui veut bien la prendre. Mais je constate qu'il n'y a pas de demande de prise de parole. La discussion est donc close. Je vous remercie. Et nous arrivons désormais au point 14 de notre ordre du jour, réponse de la municipalité à l'interpellation du conseiller Steve Bengali, intitulé « Favoriser l'accès au transport public et aux mobilités 12 aux résidences du Golfe ». J'appelle un membre de la municipalité pour nous exposer la réponse de la municipalité à cette interpellation. Vous me donnez quelques minutes. Changement de... Ça aurait été mieux avant. À votre propre risque. Hein. On va voir. Et où ma souris est partie. Au secours, ma souris est partie. Oui, mais elle doit être là et pas là-bas. Ouais, je ne sais pas. Ah, elle est là. Désolé. Voilà. Vous voyez quelque chose? Oui, voilà. Merci pour votre patience. C'est toi qui commandes le... Oui, qui clique. Je vais essayer. Alors, vous avez la parole, monsieur. Voilà, monsieur le président, mesdames et messieurs les conseillers. Alors, vous avez reçu effectivement cette interpellation. Qui touche finalement les domaines de deux services qui sont le service des infrastructures et le service du SPOP. Et là, je vais traiter effectivement les deux domaines directement. Alors, sur les questions de l'éclairage public, on a regroupé un petit peu les différentes questions et repris la question de l'éclairage public. Monsieur Steve Bengli relève le manque d'éclairage public sur le long de la route suisse et sur la route du domaine impérial. Il est à relever que la première, donc la route suisse, est une route cantonale et que la seconde est une route privée, dont la commune jouit uniquement du servitude de passage à pied et pour tout véhicule, avec en contrepartie son entretien. Toutefois, cela ne nous confère pas le droit de l'équiper d'éclairage, sachant que les routes relèvent de la compétence des propriétaires du réseau. Dans ce cas précis, la RC1, donc la route cantonale, est d'autorité cantonale et la route du domaine impérial des différents propriétaires, la parcelle numéro 908, c'est la parcelle qui se trouve juste
la grande parcelle forestière qui se retrouve au-dessus. Toutefois, on n'a pas un... Non, on n'a pas de pointeur, tant pis. Toutefois, la municipalité souhaite rappeler qu'il n'y a aucune obligation d'éclairer les routes et que les principes étatiques font que l'on renonce à éclairer les zones non bâties. Si les exigences de sécurité sont élevées, cela peut constituer une raison pour l'éclairer. Or, la séparation des flux piétonniers des autres modes de transport se fait de manière sécuritaire à cet endroit. C'est pour cette raison que la RCU n'est éclairée uniquement à l'intérieur des localités. Là, on peut aller sur le... Voilà. À l'intérieur des localités, il faut juste que je... Merci beaucoup. Ouais, parfait. Or, là, voilà, ce qui est effectivement le cas à Glan, qui voit donc son éclairage public se situer entre le chemin des Fontenailles et la Petite Linière. Pour finir, l'étude sur l'infrastructure écologique du territoire de Glan démontre que les secteurs décrits dans cette interpellation est propice à la biodiversité et à la préservation des milieux naturels, impliquant son intégration dans la trame noire de la ville. En d'autres termes, ce secteur est donc à maintenir en zone d'ombre. Sur la question de la vitesse non réduite sur la route suisse, vous avez les photos directement à l'écran. En février 2023, une limitation de vitesse sur le tronçon de route suisse communale a été posée. Cette limitation à 60 à l'heure a été placée à la frontière de la limite communale de la route. Du côté, c'est la photo ici, et on voit qu'on a l'entrée... Je vais y arriver. L'entrée du domaine impérial qui est là. En effet, l'entrée de la route d'accès. La route d'accès Cercle Rouge menant aux résidences du GOP se situe au-delà de cette limite. Et puis, il faut dire également que la limitation de vitesse est accordée en fonction de certains critères, dont la densité d'urbanisation des deux côtés de la route. Et puis, en dessous. Vous voyez les questions de limitation de vitesse avec effectivement le giratoire en bas de la route de l'avenue du Mont-Blanc et puis ici la fin de la zone qui est gérée par Glan au niveau de la route cantonale. Sur les questions d'aménagement pour piétons et vélos, du point de vue des accès aux résidences du Golfe, à l'instar de la commune, les propriétaires jouissent d'une servitude de passage sur la parcelle numéro 908. Alors, la 908, c'est tout ce bloc-là, et on voit effectivement la limite et la servitude de passage est ici et remonte l'allant avec la zone verte qui est la servitude de passage. Non, ce n'est pas la route. Non, je continue, malgré tout, même s'il y a une contestation de M. Bingley, on verra ça après. les propriétaires jouissent d'une servitude de passage sur la parcelle 908 pour améliorer la situation. Alors oui, la servitude en question, on va vite la montrer, elle démarre là et puis elle part ce côté. Hein. C'est la servitude qui permet de traverser la 908. Le portail, il est là. Oui, exact. Alors, on parle quand même de la même chose. L'exécutif propose aux différents propriétaires, pour améliorer la situation, l'exécutif propose aux différents propriétaires d'entamer des démarches similaires avec la parcelle numéro 1029, propriété de SA du Golfe, domaine impérial. Cette parcelle, c'est celle avec la ferme. Qui continue jusqu'à la Villa Rose, leur permettant ainsi d'atteindre la RC1 de manière plus rapide. Cet accès est déjà une route actuellement. Il débouche sur le trottoir et est situé en lisière de forêt, ce qui la rend moins sombre. De plus, il est équipé d'un portail rendant son trafic quasi nul. Et sur les questions de la fréquence des bus, c'est l'image suivante, la fréquence des bus et leur accès au reste de la ville.
dont le cadre de l'étude de refonte et de modernisation du transport urbain glandois relatif au préavis de 2021 numéro 93. Les axes d'étude sont notamment les suivants: meilleure liaison en tous les quartiers de la ville, meilleure desserte des zones périphériques, amélioration des fréquences et des correspondances. En mai 2022, un sondage de grand format a été réalisé auprès de la population. Les avis et souhaits des résidents du quartier ont ainsi pu être collectés. Ces réponses seront prises en compte dans le rapport final prévu dans le deuxième semestre 2023. Alors on voit effectivement la provenance des réponses et on voit que le quartier du Golfe a effectivement tout à fait manifesté son avis. Et comme d'autres quartiers tels que le Golfe, mais la Linière aussi, et certains autres quartiers ici périphériques, les réponses sont naturellement prises en compte et il y sera répondu dans le cadre de ce rapport final. Voilà la réponse que nous donnons à l'interpellation de M. Bingley. Merci, M. Cretigny, pour cette réponse orale appuyée par quelques... par quelques slides ou feuilles de pages de présentation. J'ouvre maintenant la discussion sur cette réponse et demande d'abord au conseiller Steve Bingley de nous faire part s'il est satisfait de la réponse de la municipalité. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers, je remercie la municipalité pour sa réponse. Bien entendu, vous comprendrez que ça reste un peu frustrant pour les personnes qui sont là-bas. Malgré tout, c'est quand même bien de pouvoir avoir au moins des réponses aux questions qui se posent depuis un certain temps. Navré pour la confusion, quand vous parliez de la sécurité et de l'accès sur la zone de servitude, je pensais que vous mentionniez en fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire vraiment l'entrée dans la route du domaine impérial et pas l'accès via le rancho, pour lequel il y a déjà eu une demande qui a été faite par les membres de la résidence qui, à ma connaissance, avait été refusée. Voilà, au moins, on peut vivre dans l'attente d'avoir des bus, peut-être, prochainement. Et puis, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de traiter l'interpellation. Merci, M. Bingley. La parole est toujours à qui veut la prendre. M. Maudji, je vous la donne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je reviens à ma question éternelle sur cette route cantonale. Quand est-ce que j'aurai un passage piéton? Et comme je l'avais mentionné l'autre fois, on a vu que d'autres endroits de la route suisse avaient des passages pour piétons. Et j'avais demandé qu'on puisse vérifier ce point. Maintenant que c'est limité à 60 à l'heure, peut-être qu'il y a une partie qui est dans la commune et on pourra peut-être faire à la limite de la zone communale pour pouvoir faire un passage à piétons. Ce sera pratique pour tous les Glandois qui vont se promener au sud et les résidents du domaine impérial qui sortent sur la route suisse. Je vous remercie. Je rappellerai juste à tout le monde que la parcelle 908 est une réserve de faune et de flore, et ce qui fait que l'accès à l'intérieur du forêt est limité, voire interdit, et on ne peut pas y faire d'aménagement. Et à mon souvenir, on a souvent rappelé à M. Schumacher que la grande route qui mène à ce domaine devait être éteinte la nuit quand elle n'en avait pas besoin. Donc je crois que la municipalité l'avait rappelé alors plusieurs fois à ce sujet. Merci, M. Maudji. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Ce ne semble pas être le cas. Je vous remercie et je déclare la discussion close et avec ça ce point. Et donc nous passons au point 15 de notre ordre du jour, réponse de la municipalité à l'interpellation du conseiller Nicolas Pellet, intitulé « Éclairage public ». J'appelle un membre de la municipalité pour nous exposer la réponse de la municipalité à cette interpellation. Je vous donne la parole, madame.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers. Alors, plusieurs questions de Monsieur Pellet. Tout d'abord, le bilan et l'impact énergétique. L'année 2022 représente la première année complète depuis le passage en LED d'un tiers du réseau de l'éclairage public effectué en 2021. Dès lors, il est constaté une forte diminution de la consommation annuelle. Ce phénomène est accentué par les mesures d'économie d'énergie de décembre, consistant à la programmation d'une extinction complète de 23h à 5h du matin sur les axes routiers dépourvus de passages piétons. Concrètement, une diminution proche de 43 000 kWh, soit 9%, est constatée par rapport à 2021. Du fait du fort rapprochement des mesures que je viens de citer, il est en fait impossible aujourd'hui de faire le distinguo énergétique entre celles-ci. Une vision globale est traduite par le... Alors, j'ai oublié de vous donner le graphique. Je vous transmettrai, si vous le voulez bien, les graphiques à notre secrétaire et à notre président, qui, si vous le souhaitez, pourront vous les faire parvenir. Enfin, vous verrez, c'est aussi des éléments qui sont dans le rapport de gestion dont vous prendrez connaissance prochainement. En termes de sécurité, voici quelques informations reçues par la gendarmerie. En 2022, la criminalité dans le canton de Vaud. Les autorités communiquent un bilan 2022 plutôt positif en matière de criminalité sur le sol vaudois. En effet, le nombre d'infractions a connu une légère hausse de 3% et le nombre de prévenus une hausse plus élevée de 12%. Si les dommages à la propriété, les lésions corporelles graves et les infractions liées à la violence domestique sont en baisse, les cambriolages, les vols et les lésions corporelles simples sont en hausse. Le nombre de cas de brigandage est resté stable. Concernant les cambriolages, au nombre de 3955, les cambriolages ont augmenté de 11% par rapport à 2021. Une lecture à plus long terme indique toutefois une tendance à la baisse. Cette dernière est perceptible depuis 2013. Par ailleurs, il faut relever que le volume observé en 2022 est le troisième plus faible des 10 dernières années, avec des chiffres encore plus bas en 2020 et 2021. L'augmentation constatée est donc à inscrire dans un phénomène de retour à une certaine normalité, avec la levée des restrictions liées au Covid-19. Sur le territoire de la commune de Gland, les cambriolages, vols par effraction et vols par introduction clandestine ont fortement augmenté en 2022 par rapport à 2021, avec 27 affaires de plus pour un total de 80 cas en une année. Toutefois, cette augmentation est à relativiser selon la gendarmerie, car avec 80 affaires, on retrouve les proportions d'avant la pandémie, comme pour le reste du canton. Ce chiffre ne représente que le 2% des cambriolages commis en une année dans tout le canton. Maintenant, le lien entre l'éclairage public et la criminalité. C'est toujours des éléments qui nous ont été transmis par la gendarmerie. Donc, les études scientifiques menées tant aux États-Unis qu'en Angleterre ou en France permettent aujourd'hui de rappeler l'importance d'une réflexion complète sur la prévention de la criminalité selon la typologie des délits, le type de victime et les lieux et horaires de la commission des infractions. La prévention de la criminalité situationnelle implique la modification des environnements de sorte que la criminalité nécessite plus d'efforts, plus de risques et moins de récompenses. La première étape de tout programme de réduction de la criminalité exige une analyse minutieuse des situations et de la manière dont elles affectent les délinquants potentiels et les victimes potentielles. La deuxième étape consiste à mettre en œuvre des interventions de réduction de la criminalité. L'efficacité d'un meilleur éclairage des rues pour réduire la criminalité dépend des caractéristiques des situations et d'autres interventions simultanées. Les efforts de réduction de la criminalité devraient tenir compte du fait que la criminalité a tendance à se concentrer chez certaines personnes et dans certains lieux plutôt que d'être répartie uniformément dans une communauté. Les expériences d'extinction partielle de l'éclairage public menées en France dans plusieurs villes n'ont pas eu d'incidence négative sur la criminalité. Au contraire, dans plusieurs cas, on observe une légère baisse de la criminalité en général et même une diminution des cambriolages.
Maintenant, à l'avenir, ici à Gland et dans le canton, enfin dans le canton de Vaud, mais plus particulièrement à Gland, le Conseil d'État ayant décidé que le décret s'applique jusqu'au 30 avril prochain, donc pour l'extinction de l'éclairage public, et sachant que l'exécutif a validé les principes du plan Lumière lundi dernier, il est consenti au maintien de l'extinction de l'éclairage public durant la période transitoire, soit du 1er mai, donc à partir de lundi, jusqu'à l'application du plan Lumière. Toutefois, les heures sont adaptées avec une extinction complète entre 2h et 5h45 du matin au lieu de 23h à 5h actuellement. De plus, la période du paléo, c'est-à-dire du 18 au 23 juillet, ne sera pas concernée et fera office donc d'un éclairage. Au niveau des chantiers communaux, l'éclairage est déjà maintenu comme à la rue de la Gare. Pour les chantiers privés avec une exécution sur le domaine public, le service infrastructure environnement étudiera la faisabilité de maintenir l'éclairage public lors de la délivrance des autorisations d'utilisation du domaine. En effet, la durée et l'ampleur des travaux sont à considérer avant une prise de décision. Pour finir, un point sur le plan Lumière que vous savez être en cours. Le plan Lumière fera office d'un préavis de construction d'ici la fin de l'année, pour opérer à la mise en place du matériel permettant l'abaissement programmé des luminaires, donc c'est-à-dire les mâts, le système de télégestion, etc. Les travaux se feront dans le courant 2024 et l'application de l'ensemble des principes du plan Lumière sur l'entier du territoire sera effective à la suite. Cela signifie qu'une application du plan Lumière se fera par étapes où la technologie le permet. Pour information, les principes suivants ont été validés en municipalité lundi. Nous avons défini les temps de la nuit et les chemins majeurs lumière et ombre. Différents temps de la nuit ont été définis, à savoir de 17h à 20h, de 20h à 23h, de 23h à 2h et de 2h à 5h45. Nous avons également défini les différentes zones d'attractivité nocturne et les chemins majeurs lumière et les chemins majeurs ombre. Bon, vous recevrez plus de détails une fois qu'on aura, probablement cet automne, on vous donnera tous ces éléments-là. Par rapport toujours aux grands axes définis par la municipalité, en termes d'abaissement de la luminosité, le plan Lumière va proposer un abaissement de l'intensité lumineuse en cours de la nuit en fonction de ces différents horaires que je vous ai communiqués. Et puis, selon les différentes zones d'attrait nocturne, sur le territoire communal. Également, il y aura tout un travail sur la température, les températures d'éclairage. La température d'éclairage exprimée en Kelvin donne la couleur de l'éclairage projeté. Il est conseillé dans le plan Lumière de choisir des couleurs chaudes de manière générale. Plan Lumière proposera ainsi d'installer un matériel permettant d'adapter la température sur les chemins majeurs pour accentuer la différenciation des zones selon les temps de la nuit. Voilà, tous ces détails vous seront communiqués une fois qu'on sera prêt avec ce plan Lumière cet automne. Une petite brochure vous sera transmise en temps voulu. Voilà, merci. Merci, Madame la Municipale. J'ouvre maintenant la discussion sur cette réponse orale et invite le conseiller Nicolas Pellet de nous faire part s'il est satisfait de la réponse reçue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, Madame la Municipale, je vous remercie pour tous vos éclairages. Merci. Monsieur Pellet, la parole est désormais à qui veut bien la prendre suite à ces informations reçues. Mais il me semble qu'elle n'est pas demandée. La discussion est donc close. Et nous arrivons à notre dernier point à l'ordre du jour, divers et propositions individuelles. La parole est à qui veut bien la prendre. Madame Villene, je vous la donne. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les conseillers, j'aimerais remercier Gérald Cretigny sur sa réponse apportée à ma demande sur les marchés. Et j'ai donc pris bonne note que nous avons 2 mois de préavis avant de demander une place. Merci. Merci, Madame Villene. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Oui, Monsieur Locke, je vous la donne. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers, juste une information qui est surtout pour les astreints, les tireurs astreints au tir militaire. On
aura donc les tirs militaires de jeudi prochain, 4 mai, au stand de tir de Gland, dès 17h30. Donc, on attend nombreux des astreints pour faire le programme obligatoire. Voilà, merci. Merci, on a pris bonne note. Oui, Madame Beauvais, je vous la donne la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, la route suisse à Gland a bien passé de 80 à 60 à l'heure, tant qu'on vient de voir, pour une certaine partie. J'ai une question. À quelle fréquence des contrôles de vitesse sont-ils effectués? Ensuite, a-t-il déjà eu des contrôles sur ce tronçon? J'ai constaté, malgré ce changement, il y a toujours des excès de vitesse et des automobilistes qui s'amusent à rouler en grande vitesse autour de rond-point Schilliger. Plus de bruit que d'autres choses. Alors, voilà, merci. Merci, madame. Est-ce que la municipalité va répondre sur le champ, éventuellement? Monsieur Cretigny, je vous la donne, la parole. Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs. Alors, effectivement, cet abaissement de vitesse est tout de même assez récent. Et nous demandons au bureau du radar, assez souvent d'ailleurs, des contrôles dans la commune. Il ne faut pas oublier qu'on a toute une partie aussi de zone 30 sur lesquelles on espère qu'il y ait un certain respect. C'est peut-être d'ailleurs souvent plus difficile dans ces zones-là qu'ailleurs. Et la route suisse ne présente pas d'immenses dangers, je dirais, sur cette portion qu'on a abaissée. Ce qui fait qu'on va demander naturellement, et ça tout à fait naturellement, des contrôles sur cette zone. Mais à ce jour, sauf erreur, alors je ne veux pas vous l'assurer absolument, je vais encore contrôler, mais je crois qu'on n'a pas encore eu de contrôle depuis le début de l'abaissement. C'est le bureau, à part ça, juste vous dire, c'est que quand on fait une demande de contrôle au bureau du radar, le bureau du radar décide quand il vient, s'il vient et à quelle heure. Ce n'est pas nous qui fixons quoi que ce soit à ce niveau-là. Merci, M. Cretigny. La parole est toujours à qui veut bien la prendre. M. Pringolf, vous l'avez. Chers collègues, je voulais juste vous faire part j'ai une connaissance qui est en train d'organiser le premier salon des vins de Merlot qui se passera au domaine La Capitaine, que vous connaissez certainement, qui est sur le territoire de la commune. Et c'est un événement assez intéressant parce qu'il va regrouper à peu près une trentaine de producteurs de vins, dont parmi les meilleurs du pays, qui viendront présenter non seulement leur Merlot, mais finalement l'ensemble de leur production en rouge, blanc et rosé. Et je vous enjoins volontiers, vous allez certainement découvrir de très beaux produits, à la fois locaux et helvétiques. Donc ça se passe le lundi 8 mai au domaine La Capitaine. Le matin de 11h jusqu'à 14h, c'est réservé pour la presse et pour les professionnels. Et puis à partir de 14h jusqu'à 19h, c'est ouvert au grand public. Donc ça coûte 15 francs l'entrée. Et puis vous pourrez déguster autant de vins que vous voudrez. Il y en aura des excellents. Voilà, merci. Merci, M. Pringolf. Prochaine sur ma liste, M. José Cayano. Vous avez la parole, monsieur. Messieurs et mesdames les conseillers et conseillères, je voulais juste poser une petite question. On est sur l'aménagement de la RC1. Au niveau de l'entrée vers le giratoire, il y a un panneau de la ville avec le plan qui était à la base, qui est complètement détruit et tout ça. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour l'aménagement, le changement de ce panneau? Est-ce que la municipalité envisage de faire une rénovation de ce panneau? Et ma deuxième question, au niveau des travaux que le marché de Gland va bientôt reprendre ses activités au mois sur un marché d'été avec la route fermée, avec tous les travaux, est-ce que la municipalité envisage de maintenir le marché puis fermer la route ou prévoit peut-être un changement du marché dans une autre zone? Merci. Merci, M. Cayano. Est-ce que la municipalité désire répondre sur le champ?
Monsieur Cretigny, je vous donne la parole. Merci. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Alors, il faudra que vous me répétiez la fin de votre deuxième question, parce que je n'étais pas très sûr d'avoir compris. Mais déjà, juste pour répondre à la première, oui, on sait qu'on a des panneaux qui sont dans un état qui n'est pas tout à fait digne d'une ville comme la nôtre. Donc, nous avons déjà regardé au niveau du SPOP, en tout cas pour pouvoir modifier, changer, etc., ce qui doit être changé. Alors, ça viendra. Mais c'est déjà en route. Par contre, la deuxième question sur le marché, c'est... Comme il y a, on va dire, les travaux à la rue de la gare, il y a plein de routes qui sont fermées. Est-ce que le marché, en fermant la route, la place de la gare, est-ce qu'il ne va pas avoir un impact au niveau de la circulation importante avec le quartier des Lisières et tout ça? Est-ce que la municipalité prévoit de maintenir quand même le mercredi la route fermée dû à tous les travaux? Il y a un impact direct avec le vieux bourg et tout ça. Ou alors, est-ce que la municipalité envisage peut-être de changer d'endroit du marché, peut-être Gare Sud, ou le faire provisoirement à Grandchamp ou autre chose? Je pose juste la question. Merci. Okay. Merci beaucoup. Alors, à ce jour, c'est juste de dire qu'à ce jour, on n'a absolument pas envisagé de le changer. C'est vrai que la rue de la Gare, bon, on s'aperçoit déjà des effets que ça peut avoir, mais on n'estime pas forcément que le marché, que la circulation est véritablement prétéritée, parce que en dehors de la remontée sur la rue de la Gare, il y a l'accès avec la route de Benyen, il y a l'accès par le Lavasson. Donc pour nous, c'est encore un endroit qui permet justement de pouvoir travailler. Bien sûr que la rue fermée, il peut momentanément, mais sur quelques heures finalement, bloquer un peu cette circulation, mais je crois que c'est pas, en tout cas on nous a fait aucune demande dans ce sens là jusqu'à maintenant, puis on n'en voit pas le besoin pour l'instant. Merci. Merci, M. Cretigny, pour vos explications. La parole est toujours à qui veut bien la prendre. Prochaine sur ma liste, M. Bengali, je vous la donne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers, j'aurais une question à tiroir pour la municipalité sur le coup de pouce sur les protections hygiéniques des Glandoises qui a été communiqué le 5 avril dernier. Donc il y a des bons qui ont été envoyés pour la Migros à toutes les femmes de 11 à 55 ans, si j'ai bien compris. Donc à titre personnel, je trouve que c'est une super initiative de la municipalité. J'ai noté que les personnes qui veulent davantage de bons peuvent en demander, et puis que la ville, elle souhaite analyser le succès de cette démarche dans l'idée de l'inscrire sur le long terme. Et j'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations, peut-être j'ai mal cherché. Je voulais savoir si vous pourriez nous renseigner un petit peu sur votre vision par rapport à ce projet, savoir dans quelle mesure il s'étend à d'autres types de réflexions. À l'heure actuelle, on parle aussi des congés menstruels, par exemple. Et puis, savoir si vous pourriez, cas échéant, nous faire part peut-être des résultats de l'ensemble des actions que vous menez aussi dans les écoles, je crois, à ce sujet. Et puis, enfin, j'aurais une petite question complémentaire à côté. Je voulais savoir si la municipalité a profité de ce partenariat avec la Migros pour remettre sur le tapis la question de la récupération de certains types de déchets, je crois, qui étaient, à mon souvenir, restés en suspens, notamment le plastique mou. Merci. Merci, M. Bengali. Est-ce que quelqu'un de la municipalité aimerait réagir sur le champ? Oui, M. Davoine, je vous donne la parole. Merci, M. le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillers. Alors, je n'ai pas vaste question. Merci pour vos remerciements. Effectivement, on a fait un communiqué de presse. C'est passé dans le 20 minutes, dans la côte, la lettre explicative. Mais vous ne l'avez pas reçue, parce que vous avez beau avoir entre 11 et 55 ans, il manque un autre critère. Toujours est-il qu'effectivement, on a ce projet, ce partenariat avec la Migros qui a été lancé début avril. Alors normalement, il n'y a qu'un bon de 5 francs par mois par personne. On ne peut pas en obtenir d'autres. C'est pas comme ça que c'est prévu au demeurant par la Migros notamment. Et puis, on a des bons à disposition au cas où effectivement des gens n'auraient pas reçu. Certaines personnes nous renvoient les bons. On n'a pas encore la possibilité évidemment de faire un bilan puisqu'on est à la fin du premier mois, sachant que les premiers bons n'ont même pas été
distribuées tout début avril. Donc on fera un bilan avec la Migros dans 3 mois, enfin la fin du premier trimestre, donc, puisque 3 bons de 5 francs étaient envoyés pour respectivement avril, mai et juin. Pour l'instant, en tout cas, de ce que j'ai oralement par le directeur de la Migros, Glon, il y a des journées où il y a vraiment beaucoup de bons qui reviennent, donc ça a l'air d'être bien utilisé. C'est un premier projet qui effectivement s'inscrit, comme vous l'avez dit, dans la suite, et comme ça a été communiqué, dans la suite du projet cantonal, projet pilote dont notamment faisons partie avec les écoles secondaires à Glon. Mais effectivement, là, c'est quelque chose qui va dans la même logique, mais qui est séparé d'autres choses. C'est vraiment l'idée de faire ce projet-là maintenant, et puis de si possible, de donner des idées à d'autres, hein, que ça ne se fasse pas qu'à Glan. Il y a un postulat qui a été lancé au niveau national par Léonore Porchet sur ce sujet-là. Le Conseil fédéral, pour l'instant, a dit que ce n'était pas intéressant parce que, justement, ce n'était pas lié à l'économie. Donc là, à Glan, on a fait en sorte que ça soit lié à l'économie avec ce partenariat avec la Migros que vous avez validé dans le cadre du budget. Mais vraiment, l'idée pour l'instant, c'est de faire un bilan, de voir un petit peu où ça va, puis de s'inscrire dans cette démarche-là, effectivement avec d'autres projets, mais que nous n'avons pas encore, puisque là, on est au début de cette initiative-là. Pour ma part, puisque j'y ai participé aussi par rapport au plastique mou, c'est vrai que on discute effectivement avec sensiblement les mêmes, c'est avec Migros Genève, mais on a un peu de peine, il faut bien le dire, à avoir un retour de ce côté-là, puisque sauf erreur, on attend toujours le procès-verbal de la réunion qu'on a eu lieu il y a quelques mois. Donc, effectivement, on va les relancer en nous disant qu'on est questionné à ce propos à juste titre et de manière cohérente par le conseil communal. Toujours est-il que, là aussi, la Migros Glan dit clairement qu'ils ont des poubelles, notamment dans les parkings et aux alentours, et qu'ils récupèrent vraiment tout et n'importe quoi, des plastiques mous, mais à la limite, le directeur de la Migros, Olivier Pincis, ici à Glan, dit qu'il aimerait bien récupérer que des plastiques mous, parce que des fois, il dit, je préfère pas, même pas faire des photos de ce que je récupère dans mes poubelles. Donc c'est clair qu'il y a des poubelles à disposition, les gens en profitent pour mettre malheureusement autre chose que des plastiques mous, mais également des plastiques mous, il n'y a pas de réaction de la Migros par rapport à ça. Ma foi, les plastiques mous, ils les reprennent, mais c'est vrai que sur le projet lui-même et sur l'officialisation de la chose, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Merci, Monsieur Davoine. Y a-t-il encore des demandes de prise de parole? Oui, Madame Pauvé, je vous la donne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, j'ai vu côté rue Lavasson, côté en bord, il y a un nouveau bâtiment, on voit le jour, il est déjà presque fait. J'ai une question, est-ce que ces arbres, malheureusement, ils ont dû être abattus, ça me fait mal au cœur, est-ce qu'ils étaient remplacés? Et bien, est-ce qu'il y a des mesures maintenant que chaque fois on fait des bâtiments sur des zones où il y a des arbres, ils sont remplacés? J'aimerais bien que ce soit le cas. Merci. Merci, madame. Est-ce que la municipalité aimerait répondre sur le champ? Oui, monsieur Genoux, je vous donne la parole. Oui, monsieur le Président, merci, mesdames, messieurs les conseillers et conseillers. Alors, c'est vrai qu'il y a un règlement de protection des arbres qui est appliqué à chaque abattage. L'abattage est vraiment analysé par le responsable des espaces verts qui est chez Christelle, et le SBU prend l'avis de ce spécialiste pour donner la permission d'abattre. Alors, contre une certaine finance de remplacement, s'il n'y a pas possibilité sur site, ou alors il doit être remplacé et le propriétaire fait une proposition. Donc, dans tous les cas, il y a ou une finance qui permet de planter des arbres ailleurs, ou la compensation sur site des arbres abattus. Ça, c'est dans tous les cas de construction. Merci, monsieur Genoux. La parole est toujours à qui veut bien la prendre. Oui. Madame Weber, je vous la donne. Monsieur le Président, madame, monsieur les conseillers, je voulais dire 2 choses. Je voulais revenir très rapidement sur la course GSR. Je tenais à remercier la municipalité, notamment le municipal en charge des affaires de sport, monsieur Davoine, et puis le chef de service, monsieur Glaire, qui n'a pas encore été cité, et puis pour cette belle organisation de cette manifestation qui est sans prétention, mais très sympathique, avec une ambiance familiale, conviviale, qui donne du plaisir à beaucoup de citoyens glandois. Et bravo pour cette édition 2023. La deuxième chose, c'était une question à la municipale des affaires d'infrastructure. Ça concerne
la déchetterie. En fait, dans les communications de mois de décembre, il a été dit qu'un totem présentant la nouvelle déchetterie était commandé. Je voulais savoir ce qu'il en était. Est-ce qu'il a été installé et puis je ne vois pas où il est? Ou bien quoi? Parce que je continue la suite de la question. En fait, je voulais savoir s'il a été prévu d'installer un panneau signalétique qui indique de manière très claire l'entrée à la déchetterie. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de Glandois qui ont de la peine, qui hésitent en fait à trouver la bonne entrée à la déchetterie depuis la route de Nyon et se retrouvent devant, je crois, Cermix à faire demi-tour. D'ailleurs, ce qui doit les embêter un petit peu parce qu'ils ont mis un vauban et puis des cônes qui empêchent de circuler dans leur parking. Voilà, merci d'avance pour la réponse pour la question et puis merci pour la parole. Merci Madame Weber. Je donne la parole à Madame Gironi-Degger pour des remarques. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillères, je suis rassurée parce qu'il n'y a pas que moi qui ai cette problématique d'entrée à la déchetterie. Deux ou trois fois, j'ai pris la fausse route. Donc, voilà. Mais oui, je vous confirme que la... mais on m'avait rétorqué, oui, mais t'es une femme, donc voilà, c'était pas très sympathique. Mais, mais je... non, c'est pas le que la personne se reconnaîtra. Oui, le totem a été commandé. Il y a un peu de retard, mais dès qu'on le reçoit, il sera évidemment installé. Et l'objectif est, en effet, de positionner ce totem suffisamment bien pour que les gens comprennent qu'il faut bien aller du côté de Cermix et non pas juste sur le côté, en avant, pour entrer dans la déchetterie. Donc, c'est l'objectif aussi du totem, c'est d'indiquer cette entrée. Voilà, merci. Merci, Madame la municipale. La parole est toujours à qui veut bien la prendre. Oui, Madame Galvez, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers. J'ai une question pour Madame Weber. Lors des dernières communications, elle a signalé que le CRL qui s'occupait jusqu'à présent des jeunes de 11 à 18 accueille désormais aussi les jeunes jusqu'à 25 ans. Alors, je voulais savoir, puisqu'il y a le Parlement des jeunes de 18 à 25, je voudrais savoir s'il y a une coordination ou une coopération entre les deux structures et si les activités ou ce qui est proposé est dans les deux structures la même chose. Merci. Merci, Madame Galvez. Est-ce que Madame Weber aimerait répondre sur le champ? Oui. Oui, c'est le cas. Merci pour cette question, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers. C'est vrai, c'est vraiment, il faut voir ça un peu comme un binôme. Les deux, le Parlement des jeunes et le CRL, vont avoir des activités ensemble, mais ils ont aussi chacun leur activité. Mais le but est que les jeunes puissent vraiment autant d'aller au CRL comme ils peuvent aller au Parlement des jeunes. Et puis qu'ils se parlent, et puis qu'ils se coordonnent, et puis qu'ils font aussi des activités ensemble. Puis après, le but, c'est aussi, avec le temps, de pouvoir investir un peu plus les quartiers. Comme ça, il y a une fois les TSP avec peut-être le Parlement de jeunes qui peuvent être dans les quartiers. Et puis une autre fois, c'est le CRL qui peut plutôt investir aussi ces quartiers. C'est ça le but, en fait. Mais on est tout au début, un petit peu, de cette coordination et de ce travail ensemble. Merci, Madame Weber. La discussion est toujours ouverte. Parole à qui veut bien la prendre. Mais cette fois-ci, je crois, je vois plus de mains levées, donc la parole ne semble plus être demandée. Je déclare la discussion sur ce dernier point à l'ordre du jour close. Et l'ordre du jour étant épuisé, et la parole
N'étant plus demandé, je tiens à vous remercier d'avoir contribué au bon déroulement de notre séance de ce soir, que je lève à 21h38. Et je vous annonce que nous nous retrouverons ici même pour la prochaine séance ordinaire de notre conseil communal le jeudi 15 juin 2023 à 19h précise, parce que c'est un programme assez chargé comme d'habitude la dernière séance avant l'été avec le rapport des comptes, le rapport sur la gestion, etc., etc., les élections du futur bureau. Avec ça, la séance est close. Et je vous invite au troisième mi-temps au sous-sol. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, j'ai guigné sur mon téléphone tout à l'heure. Après 30 minutes, c'était Genève qui était en train de gagner. Mais ce n'était pas encore fini le match. Hein, donc, séance levée. Merci beaucoup.